Bonjour à tous et à toutes, ici Lumi13. Donc je vous présente une bonne nouvelle. C'est tout simplement parce que on peut utiliser des maps que on emploie sur les versions Mac. Et je pensais que ça allait pas être possible, et ben en fin de compte, si. Donc je préfère prévenir pour ceux qui n'hésitent pas. Bon, après il faut savoir où il faut aller pour modifier les paramètres. Je préfère pas les montrer parce que j'ai des trucs privés et j'ai vu que le mec avait flouté son truc d'encodage. En fait, il suffit que vous cherchiez Windows 10 donc version Minecraft version Windows 10 édition, et il y a un mec qui propose une vidéo où vous voyez qu'il explique l'histoire des chunks là, et qui augmente à des milliers plus haut que la 600 et quelque chose de chunk. Et il vous montre quoi, à quel point son PC. C'est Julien Roman, un truc comme ça. Julien Sama, voilà. Aurélien Sama, voilà. C'est tout simplement Aurélien Sama. Donc merci à toi, à toi, un grand merci à toi, Aurélien Sama. Voilà, c'est Aurélien Sama qui m'a fait découverte cette technique sans le vouloir, parce qu'il n'a pas été plus loin que la zone. Mais moi j'ai cherché parce que je me suis dit mais ça de maps sont bien quelque part quand même, non, mais c'est quoi cette bêtise? Donc j'ai cherché et je l'ai trouvé. Donc vous regardez sa vidéo pour le dé et au début vous allez voir qu'il montre où il faut aller plus ou moins, et après il faut chercher un peu tout seul et vous allez trouver les maps. Donc les maps, ça va être marqué automatiquement. C'est après mojang.com et c'est marqué Word machin. Donc c'est marqué Word quoi, Map save Word ou je sais plus. En tout cas c'est marqué Word. De toute façon vous verrez bien, hein, vous verrez des systèmes data comme que vous avez sur Pocket et tout. Donc voilà, c'est vraiment sympa parce que du coup regardez qu'est-ce qui se passe. Eh ben, c'est que derrière nous avons un parc d'attractions qu'on va faire ensemble. On va en profiter, hein, on n'est pas con non plus. Bon, tout d'abord, on va vérifier un truc sur le site pour que je vous propose un site si vous avez trop peur et que vous avez trop peur de vous faire pirater ou enfin de peur d'aller sur un mauvais site. Donc voilà, c'est gentil. Le site est ici. Donc voici un site très fiable pour moi. En tout cas, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de virus, pas de soucis. Voilà, c'est ce site-ci. Je vous le conseille fortement. C'est mcpeld.com. Donc mcpeld.com. Je sais pas comment on le prononce. Donc c'est mac.com. Eh ben, tous ces savent. Donc là, on est dans les maps. Vous allez ici et vous choisissez les maps que vous voulez. Il amène la map.jar, donc minecraft.jar qui a été repris, vraiment bien. Et vous pouvez tout simplement télécharger les maps que vous souhaitez en faisant ça. Que ça m'intéresse. Oh, le trop belle. En faisant ça. Et ça n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi. D'accord, ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Bon, ça marche d'habitude, hein, mais ici c'est peut-être parce que je filme. J'en sais rien. Donc voilà, en tout cas, je vous le conseille fortement. On va essayer sur une autre map, hein, parce que je trouve ça un peu louche que ça fait ça. C'est bizarre. Normalement, ça doit pas faire ça. Ah ben voilà, vous voyez bien. Ça marche. En plus, ça propose de l'enregistrer sur Dropbox. Vraiment, c'est l'endroit où il y a pas de risque d'avoir des virus, quoi. Hop. Voilà, vous l'enregistrez sur Dropbox. Voilà, vous l'avez enregistré sur Dropbox. Et vous pouvez le transférer par la suite sur votre ordinateur. Bon, après, j'ai déjà transféré des maps, hein, la map que vous voyez ici. J'en ai d'autres, hein, je peux vous les montrer au pire. Ça me dérange pas. Voilà. Toutes les maps que j'ai. Donc vous voyez, j'ai même celle-ci. Minecraft.jar. Je vais pouvoir vous faire une aventure comme les deux cocos là font. Donc voilà, vous voyez, il n'y a pas de bug. C'est carrément le même format. C'est intéressant. Donc c'est bien du pocket quoi. Oula, c'est un petit freeze. Ça, on connaît l'histoire du freeze. Ça n'a rien à voir avec la map. Donc voilà, sinon c'est fluide. Hein, vous voyez bien, je bouge, etc. etc. Donc on va retourner sur la map qu'on voulait visiter. Parce que les autres maps, comme vous. Pas celle-là, je me suis gouré, super, génial. Bon, là-bas, je voulais faire celle-là là, au début, mais
J'avais perdu de vue. Bon, ben, je sais pas, mais on va aller sur l'autre parce que c'était prévu qu'on aille sur l'autre. Il a plus d'attraction. Donc, c'est Tortue Machin. Ouais, c'est celle-là. Donc, on y va. Et on y va! Alors, c'est écrit en anglais, donc fuck la police. Je ne sais pas lire l'anglais. Arrêtez-le! Donc, on va faire ça au hasard. Va visiter, hein. Faut se casser la tête. Bon, comme vous voyez, ça lag pas, hein. Il n'y a pas de souci. Si vous savez lire l'anglais, bah, félicitations. Vous serez bien sympa. Oh, mais qu'est-ce que ça va m'amener où ce truc là en fait? Hop là, regardez comme c'est fluide, il n'y a pas de souci. Bon, il n'y a pas de bruit de machin parce que c'est une bêta, je présume. Mais c'est. Oh, on est déjà arrivé. D'accord. Bon, c'est touche mage pour pouvoir sortir du truc. Pas hein. Bah, c'est touche habituelle quoi. D'accord, bah écoutez, on risque pas d'être à court de ça quoi. Première attraction. J'avais une petite anecdote, c'est que ce genre d'attraction, je l'avais fait sur l'autre version, sur ma version, sur ma tablette Galaxy Tab Pro 10.1. Je note bien pour bien faire le bike. Non, mais c'est pour bien me dire qu'elle était assez puissante. Pourtant, elle est puissante. Mais c'est même sur celle-là que j'ai trouvé des faux shaders. D'ailleurs, je pense que je pourrais peut-être faire des tests de manipulation. C'est quoi cette bêtise? Des tests de manipulation. Pour voir s'il y a moyen de truquer pour avoir un autre pack de textures que celui qu'on connaît. D'accord. Enfin, pourquoi ça baisse pas? Prends-moi mon truc, toi. Il veut pas me rendre mon. Ah. Bah, je présume que c'est là, il s'est tout simplement gouré. Ou alors c'était l'inverse. Bon, soit. Voyons voir, regardons le paysage, comme il est beau. Ouh là. Bon, j'espère que j'ai mis en mode paisible. Je pense que c'était mis automatiquement parce que ça a été réglé comme ça. Que sinon, je vais me faire bouffer par les monstres. Donc comme vous voyez, c'est vraiment bien optimisé, les maps sont bonnes et tout. Il n'y a pas d'erreur de format. Donc on vous montre, je vous propose de... Parce que je suis un peu pas parano d'oublier ou je sais pas comment je pourrais faire parce que comme je vous ai dit, je suis sur Edit Retouche, donc je ne peux pas forcément faire des modifications, enfin, modifier certaines choses comme flouter les numéros de série qu'il y a... Comme il a expliqué, lui il a su flouter, mais moi je ne saurais pas. D'accord, on est reparti. Moi je ne saurais pas le faire tout simplement parce que. Merde. Bah, apparemment, on n'était pas en machin. On était en facile. Ça m'étonne pas. Parce que n'oubliez pas que j'avais laissé facile à la base. Donc c'est normal que ça fait ça. Là, donc... Bon. Hop. Ah! Non, ça n'a pas marché. Putain, j'ai envie de faire. Rien vu ni connu. Petite attraction sympathique. C'était complètement pourri. Prends-moi mon jouet, toi. Allez, rends-moi ça. À moi. Bon, c'est quoi ça? Pourquoi pas? Non. Et pourquoi je prends. Non, non, non. Je n'en ai pas besoin. Voilà, vous voyez, les équipements fonctionnent, il n'y a rien de buggé. Il n'y a pas eu de casse-freeze ou quoi que ce soit. Ceci est complètement français, oui, je vous l'avoue. Je vérifie juste un truc. Alors que mon enregistrement ne fonctionne pas, donc du coup, je suis un peu dans la merde.
Non, ça fonctionne, nickel. C'est nickel. Nous allons fermer ceci pour avoir plus de puissance pour Minecraft, même si on en a déjà pas mal, mais toujours prévoir l'imprévu. Alors, nous continuons. Parce que j'ai beaucoup remarqué que quand je parle trop peu, trop, pas trop assez fort. Ah bah ok, moi je... Bonjour. Ah. C'est comme dans la version Pocket, en effet, c'est bien du Pocket parce que on peut pas interagir avec les personnages. J'ai beau appuyer sur clic droit, il n'y a pas de proposition d'achat avec des émeraudes. Donc ça, on est vraiment fixé que c'est bien du truc. J'ai déjà fait cette... Oui, j'ai déjà fait ce test-là. Hop, on va aller plus vite, on va aller... Ah, c'était mieux avec mes shaders, non? N'empêche. Ouais, mais bon, ici au moins c'est beaucoup plus pratique à bouger parce que c'est vrai que sur ma tablette j'ai les shaders, mais le souci c'est que y a un autre petit problème, c'est que un peu plus chaud. Je viens de faire. J'ai oublié que c'était bloc côté. Hein? Et je dois faire quoi? D'accord. Je suis obligé de mettre en mode facile pour pouvoir faire ce test. Ah, les zombies. Ça sert un peu à rien parce qu'ils s'approchent eux-mêmes de nous. Du coup, c'est hyper facile à les tuer. Un peu inutile. Bah, d'accord, mais c'est un peu inutile quand même, comme c'est pas assez optimisé, je trouve. Je devrais faire plus d'optimisation parce que c'est pas assez. Bon, en même temps, c'est du machin quoi. Ça a sûrement été fait à l'arrache. Enfin, j'en sais rien. Ouh, jolie fleur. Donc, on est fixé, hein, que c'est bien du Mac. Sert à quoi ce truc? Un freeze. Ça sert à rien tout simplement. Le labyrinthe est complètement raté. On sait savoir plus ou moins où on va. Et je visite tous les entrailles, mais je pourrais facilement sortir de ce labyrinthe. Il a été mal conçu. Ah, trouver la zone. Il n'y a rien. Retourner sur son chemin. Ah. C'est un labyrinthe très très mal optimisé. Oui. On s'y perd pas facilement. Hein. Ouais, c'est ça, on s'y perd pas facilement. Ah. C'est pour les poux. Je ne sais point. Pourquoi ils donnent ça? À quoi ça sert? C'est pas du survival pourtant. Je ne comprends pas. Je veux savoir. Expliquez-moi pourquoi ils nous ont donné ça. Puisque c'est pas du survival ici. Oh, c'est pas ça. Bon, même si ça n'avance pas, mais. Ça représente apparemment un manège. C'est sympa. Un manège en arrêt qui ne fonctionnera jamais. Ça c'est sûr aussi. Oh.
de comprendre le truc. Je suis en train de tout détruire, moi. Je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent représenter. Pour proposer. Oui, je suis con, moi je remets tout. D'ailleurs, il y a un petit souci, c'est que j'ai beau remettre tout, mais je sais pas remettre complètement. Quand on casse, on refait. Voilà. Et voilà, c'est réparé. Bon, alors je n'ai pas compris qu'est-ce que c'est comme jeu. Cobalt Destruction. Cobalt Destruction. Bon, bah vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que c'est parce que j'ai pas compris. Des cochons. Quoi? On est censé tuer des cochons, c'est ça? Code the Pikman. Ah. Ouais, bon, voilà, c'est du tout de Pikman, quoi. Pas difficile à comprendre qu'est-ce qu'on doit faire. C'est pas très. Bon, en fin de compte, l'attraction n'est pas terrible, hein. Je vois pas vraiment les intérêts. J'ai plus beau avec mes shaders. Hop. On y va. On y va. On y va. Hop là. On avance. Donc, comme ça, vous savez que si vous voulez mettre des maps, il suffit de télécharger sur le site que je vous ai dit, Mac Bell machin, je sais plus quoi, point com, je crois. Et vous pouvez tout simplement, c'est le même format puisque c'est une version bel et bien Pocket. On va monter. On va pas se casser la gueule, hein, ça va être triste. On va aller voir ce manège là-bas. On va essayer de faire tout avant de nous quitter. Hein. Mais c'est pas terrible non plus. Vous voyez que là il y a le feu. Je sais pas pourquoi. Ceci reste un mystère. Oh. Alors là j'ai jamais compris d'où il vient parce que j'en trouve pas moi chez moi. Bizarre. Bizarre. C'est quoi ça? Oui. Bon ça on maintenance ROM MDR. Ça j'ai vu aussi là-bas. Il n'y a pas qu'ici que ça marque ça. C'est assez drôle. Maintenance ROM, tu sais que comme si un jour ou l'autre ça va être modifié, mais en fait ça va rien du tout. Ça a été déjà abandonné plus longtemps. Ça va être une ROM. Eh ben, c'est à vous de continuer et de modifier ceci, hein, en téléchargeant la map. Ah. Ah. Ouais, je suis trop fort. Comment on va... Vous voulez, après on va tester une autre map. Après avoir fait ce test là,
Je vais regarder à combien de minutes je suis. Et si on n'est pas à une trop grosse minute, on pourra tester tout simplement le reste, l'autre map bizarre que j'ai téléchargé. Qui est aussi un truc de machin ici, mais que je n'ai pas testé du tout sur l'autre version, sur ma tablette. Que cette fois-ci, je ne l'ai pas téléchargé. Bon, on est d'accord, c'est pour se casser la gueule. C'est très 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 gentil de la part du créateur. On peut se casser la gueule. Pas bouffer le gâteau. Oh, j'ai cassé le gâteau. Gâteau. Bon. Quoi ça sert de tout? Ça sert à rien quoi, donc on se dit à tout de suite sur l'autre map. Nous revoilà, donc hop, voilà, ça va être fait. Ou un cactus, je ne sais pas pourquoi ils ont foutu là, là. Donc voilà, vous avez vu, c'est une map, c'est la même map que l'autre. Et ici, on est en mode créatif, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas réglé le mode. On soit en mode machin. Donc c'est un peu gênant parce qu'on tient des trucs. Un peu casse-couille. Oublier ce petit souci-là. Oula. Bonjour. Eh, on a optimisé, hein, monsieur? Je veux dire que... Non, t'es sérieux. À quoi ça sert alors? Allez, on casse tout. Pourquoi on a mis ça? Pour qu'on vienne carrément dans le truc de maison du personnage. Je ne comprends pas. En fait, c'est toutes des maps... Même pas terminé, c'est des maps troll ça. Regardez-moi ça. Je ne sais pas où on est, mais calme. Oh. Ah ouais, ils sont intelligents parce qu'en fait dans la map vous avez ça comme ça. Alors on se dit ouais, il doit avoir des trucs de taré. En fait non. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va tricher, hein. On va visiter en volant et en trichant. Donc par exemple ici, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, on va se péter la gueule. Oh, tout simplement, qu'est-ce qu'il y a? Ça c'est space. Ça c'est grand hein, quand même, il n'empêche. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais ça c'est grand. Je ne comprends pas pourquoi moi je ne suis pas atterri là-dedans. On va essayer de faire demi-tour si comprendre qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Je ne comprends pas pourquoi on n'est pas atterri là et qu'on aurait dû atterrir dans cette zone-là plutôt que l'autre où il y a le mec qui s'occupe. Waouh. C'est beau. Sympa. Donc là, c'est toute la magie. Ah mais non, regardez ici. On est censé savoir qu'il y a un truc ici, vous savez, genre... Ah ouais, vous êtes obligé d'être là. Ou alors, c'est parce que je suis tout simplement au mauvais... Ah. Au mauvais endroit. Voilà, vous pouvez admirer les cryptos. Moi, je surveille la... Ah, celle-là. Ah, ben, c'est mal foutu, hein. Même là, regardez, il y a un souci, quoi. Ça a arrêté. Terminé. Ah, mais non, 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 regardez, elle est censée continuer. Il y a un souci. Qu'est-ce qui s'est passé, mais... Ils ont fait ça avec les pieds, hein. Bon,
Oh, la maison est sympa. Oh purée, là je ne m'y attendais pas. Je m'y attendais point. Ça c'est bon, hein. Je ne sais pas où on va jusque-là. Ah, au secours! On va où? On va dans les ténèbres! Oh là là! C'est quoi ces endroits bizarres? Non, on est au fin fond des trucs bizarres. Quoi ces trucs bizarres? Oh, au secours! Non, mais sérieux, ça fait peur. Oula, c'était une vache. Ouf, j'ai eu peur. Peur d'une vache. Bon, apparemment, je suis parti du bon côté. On peut me dire où... me dire où je suis. D'accord, on va continuer puisque c'est leur désir. Oula, bonjour le vomi. D'accord, ça sert à rien en fait. Il y a une vache et un mouton dedans. Trop marrant. Ah ben, on va quitter ici et on va aller sur une dernière map. C'est pas une map de machin. C'est simplement une map comme ça pour la détente. Non, c'est pas celle-là. Après, elle est belle, hein, mais c'est ça, c'est le Jaguar pour une aventure. Elle m'inspire un peu. Voilà, c'est cette map-ci. Génial. Regardez comme c'est beau. On visite un peu. Enfin, c'est simplement une maison, quoi, qu'une personne a fait. Je trouve ça très très beau. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. C'est magnifique. Oh! Ah ouais, c'est juste en mode créatif. Comme c'est beau. Les tableaux, c'est moche, mais le reste, c'est beau, quoi. Une piscine, quoi. On va se quitter ici. Voilà. Ouais, je suis comme ça, moi. Je monte sur les canapés. Désolé, j'ai un objet en main, mais je peux pas faire autrement. Il n'y a pas de choix de pas avoir d'objet. Donc, je vous dis merci de m'avoir suivi, d'avoir regardé la petite vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager comme d'habitude. Et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine astuce sur cette version-ci. Je pense que je vais exploiter les trucs où on peut voir ce qu'on peut mettre. Donc, je vous dis bye bye et à bientôt. C'était Lumi13. Haha.